Alors, Henry, c'est très drôle parce que Henry, que je trouve vraiment, moi je pense qu'il a fait une grande carrière ce garçon. J'ai vu une photo toute petite comme ça dans Premier Américain ou Anglais, toute petite. Et j'ai dit, tiens, mais il a une tête extraordinaire ce gosse, quoi. Il ressemble un peu au personnage. Donc j'ai cherché à le joindre là aussi. Nous sommes passés par un casting d'ailleurs. Ah non, on est passé. Oui, on est passé par l'américaine, le casting américain. J'ai pris un rendez-vous, je l'ai vu dans un hôtel et j'ai tout de suite su qu'il ferait le film, quoi. Bon, alors après, il a fallu que je fasse des essais pour que les producteurs, Augusto, tout ça, les gens de Melusa, Marc Picquidou, tout ça, regardent donc cet acteur et se disent, bon, il est bien. Alors j'ai fait ça, je pense, dans un tout petit bureau. J'ai fait faire le texte. C'est un type, il a 17 ans. Il arrive de Jersey, il a à peine joué de sa vie, il prend l'accent américain impeccable, tandis qu'il est anglais, il joue le rôle d'un américain. Il est incroyablement au point, il prend ses places, et je le trouve formidable. Il a 17 ans, c'est-à-dire que pendant le film, jusqu'à son anniversaire, Marc Bikindou était légalement responsable de lui parce qu'il n'était pas majeur. Ça se voit même pas dans le film d'ailleurs, c'est drôle, hein? Thomas, bienvenue dans ta nouvelle maison.